Siente ce corps, le un peu après avoir accueilli Jésus triomphalement, l'a livré à la condamnation et à la mort. Nous vous accueillons tous ensemble avec l'intelligence du silence profond, avec stupéfaction et émerveillement de nos esprits et de nos âmes, à l'exemple de la Vierge Marie, stupéfaite, qui saluait son enfant Jésus par une méditation animée de l'Esprit Saint, le regard fixé sur le mystère de Dieu, de son amour fou contre la création, tout le monde à des qualités personnelles de votre personne. Et le même, le roi qui est enfin pour le même nom de cet homme et la sanctité. Oui, votre épiscopat, cher Monseigneur, est le signe de l'existence de l'Église, qui est le signe de la présence du Christ. Elle est son corps mystique. Notre sacerdoce n'est pas magie, mensonge, et comme nous l'avait affirmé Saint Ignace d'Antioche, modèle et exemple de tous nos patriarches et nos évêques antiochiens, en disant « Où est l'évêque, là est l'Église ». Votre épiscopat est le signe du Père Céleste, comme nous le dit encore Saint Ignace en disant dans ses lettres apostoliques que la personne de l'évêque est la personne du Père éternel lui-même. Si vous avez accepté cette charge de l'épiscopat, car vous avez compris que le pouvoir et la gloire de cette fonction ne sont pas ni dans la crosse, ni dans la couronne en or et en diamant, mais dans la crosse de la croix du Christ et la couronne d'épines. Car votre pouvoir épiscopal parmi nous, c'est le pouvoir d'amour du Christ manifesté sur la croix et sa victoire sur la mort. Car le prix de l'amour, c'est de se donner complètement jusqu'à la mort, qui n'est d'autre que la victoire de l'Esprit de la vérité de Dieu sur le pouvoir de mensonge de ce monde. Oui, cher Monseigneur, vous êtes aujourd'hui parmi nous le témoignage précieux, vivant et salvifique de pouvoir de Christ, triomphant sur la torture, sur la persécution, sur la haine et le massacre qu'il a subi.
chacun de vous aujourd'hui, selon ses circonstances et ses conditions, a vécu et ne cesse de vivre d'une manière à une autre le prix de votre pouvoir épiscopal, votre pouvoir d'amour. Vous, Monseigneur Michael, par votre service remarquable, stupéfiant, que vous avez assumé auprès de nos confrères au Liban, surtout durant la période horrible de la guerre, vous étiez ce signe de sacrifice, d'amour, d'espérance, force et de soutien pour eux. Vous, Monseigneur Georges Kasmoussa, vous avez vécu le pire de tous. Vous avez été enlevé par les terroristes et vous avez été conduit comme un agneau innocent à l'abattoir et le couteau posé sur votre cou pour être égorgé selon la loi de la barbarie et de l'ignorance. Mais vous étiez fortifié et consolé par votre foi et prêt, tellement prêt d'aller jusqu'au bout en acceptant avec joie et espérance d'être martyrisé pour le nom et la mission du Christ et jamais tomber dans l'apostasie ou le reniement de votre foi. Et voilà aujourd'hui votre nouveau livre qui vient de sortir et qui porte le titre absolument jusqu'au bout, qui correspond à votre comportement, qui montre la fermeté et l'authenticité de votre foi. Ce livre que j'ai lu personnellement et qui m'a passionné en prenant de plus en plus conscience qu'est-ce que veut dire être avant tout chrétien, ensuite prêtre, consacré au service de l'autel du Seigneur. Et quel témoignage authentique du chrétien et du prêtre je peux l'être pour annoncer l'amour de Dieu gratuit pour l'humanité. Vous, Monseigneur Petros Mouché, que vous avez succédé à Monseigneur Georges Kasmoussa sur le siège épiscopal de Mossoul pour les Syriaques catholiques, pour être éveillé sur le troupeau qui vous a été confié. Votre diocèse aujourd'hui, comme celui de Bagdad et autres, situés dans des territoires malheureusement transformés en terrain du calvaire, de Golgotha, où vous souffrez et vous mourrez chaque jour avec le Christ. Nous mesurons à quel point votre charge épiscopale est lourde, dure et menacée. Mais comme l'agneau, entre les dents du loup, vous portez à tous vos fidèles tout l'amour, l'espérance, la foi, la consolation et d'être affermi en Christ ressuscité. Plus que la persécution est forte, plus que votre pouvoir épiscopal d'amour est manifeste, à travers lequel la gloire du Christ s'illumine pour combler de joie et d'allégresse les innocents torturés. Si j'ai évoqué tout cela, c'est pour dire à quel point nous sommes touchés. Nous sommes honorés, nous sommes bénis et nous sommes sanctifiés par votre présence. Vous qui, à l'image de Moïse dans le désert, portant la crosse épiscopale, symbole de votre pouvoir épiscopal, frappez le rocher de notre salut, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, afin que jaillisse l'eau de la vie, qui sont les sacrements. Ils sont notre nourriture, notre énergie, notre alimentation et notre force afin de grandir et croître dans notre foi, notre espérance et notre amour dans le Seigneur et vaincre le monde, que ce soit son intelligence, qui n'est qu'une ignorance devant la vérité de Dieu et le sens mystérieux de la vie. Aujourd'hui, c'est l'Église universelle catholique qui se manifeste, l'Église une sainte catholique, par la rencontre des deux Églises, celle de l'Orient que vous représentez
et que nous le représentions avec vous, et celle de l'Occident avec nos confrères de l'Église d'Occident. Et c'est avec honneur que nous saluons parmi nous Monseigneur Claude Brossolette, le représentant de son éminence cardinal André Lecoy et son vicaire général pour les églises orientales catholiques résidant en France. Quel bonheur, Monseigneur Brossolette, de vous avoir toujours présent parmi nous, car vous n'êtes pas seulement celui qui assume remarquablement sa fonction auprès de nos églises orientales catholiques résidant en France, mais vous êtes, avec expérience personnelle, si vous le permettez, une source et une inspiration, surtout pour moi, que je ne cesse de puiser de votre richesse et de votre expérience profonde, spirituelle, théologique et intellectuelle. Et nous vous félicitons pour votre ordination bien méritée de co-évêque reçue il y a quelques mois. Nous saluons parmi nous Monseigneur Noël Castoma, qui nous a rejoints du loin, accompagné avec quelques-uns de ses fidèles venant des Pays-Bas. Merci Monseigneur pour votre fraternité et pour votre présence parmi nous. Et nous vous félicitons pour votre récente ordination de co-évêque que vous avez pu en septembre dernier par l'imposition des mains de Monseigneur Algemoun. Et maintenant, permettez-moi de passer à l'occasion heureuse et sainte pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis, nos prélats, nos évêques, nos prêtres et vous les fidèles, celle de l'élévation à la dignité diaconale du Fils de l'Église, notre cher sous-diacre Georges Adaï, que nous admirons et nous apprécions pour son service et sa fidélité, son zèle et sa ferveur, sa prière et sa dévotion, son humilité et son enthousiasme, sa sincérité et son courage, sa spiritualité authentique et les valeurs chrétiennes imprimées dans son esprit, ses paroles et ses actions. Nous, curés et paroissiens de Saint-Éphrem, votre famille spirituelle, cher sous-diacre, nous sommes ravis et enchantés de vous avoir présenté à notre Père et notre chef, le chef de notre Église syriaque catholique, sa béatitude Ignace Youssef Toyonin, qui, sans la moindre hésitation, avec allégresse et joie, vous a accordé son consentement pour que vous soyez élevé à la dignité diaconale, en déléguant son éminence, son excellence, Monseigneur Michael Aljamil, notre visiteur apostolique, pour vous la conférer. Et voilà que la providence divine vous a accordé un honneur particulier, remarquable, en vous envoyant au lieu d'un évêque tous nos riches et chers et précieux prélats, trois prélats, trois piliers inébranlables de l'Église syriaque catholique parmi les autres prélats. Nous vous félicitons et tous les vôtres, en commençant par votre chère épouse Wafa, avec qui vous avez formé une famille formidable et l'avez cultivée dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, motivé et éclairé par l'Esprit Saint. Je veux saluer parmi nous toutes les autorités laïques présentes, toutes les associations, tous les présidents et toutes les institutions et leurs représentants, et ceux qui sont venus du proche et du loin, amis, cousins, cousines, et en particulier les paroissiens, les fidèles
et les dévoués de notre paroisse Saint-Éphrem, auxquels, avec toute vérité et toute humilité, je m'incline devant la force de leur amour, de leur foi, de leur volonté, de leur collaboration, de leur croyance, de leur solidarité, de leur sagesse, de leur unité invincible. Grâce à vous, mes chers fidèles, et à votre foi, tout ce qui était impossible est devenu possible. Et sans vous, et je le dis humblement, la paroisse Saint-Éphrem n'aurait pas pu connaître la résurrection et nous ne serions pas là aujourd'hui. Et tous ces événements saints d'allégresse et de joie n'auraient pas eu lieu. Vous êtes le signe de miracle de Dieu et vous avez toutes nos admirations et nos vénérations. Excellence, de nouveau, nous vous remercions avec nos sentiments sincères et cordiaux. Et nous mesurons l'importance spirituelle de votre présence aujourd'hui parmi vos enfants qui attendent impatiemment pour se nourrir de vos bénédictions. Amen. Subiront la persécution.
Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, tu dois en rester à ce qu'on t'a enseigné. Tu l'as tout connu comme vrai, sachant bien quels sont les maîtres qui te l'ont enseigné. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, celle qui conduit au salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour faire un bon travail. Barak mot. Alléluia. وعلى البر وعلى الدينونة، أما على الخطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني منطلق إلى أبي ولن ترونني.
وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أشياء كثيرة أيضا أقولها لكم ولكنكم لا تطيقون حملها الآن. ومتى جاء روح الحق هو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويطلعكم على أمور آتية. يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. جميع ما للآب هو لي، لهذا قلت لكم إنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. شين الكلكم Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la synagogue. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car l'on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père et vous ne le verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous renouvelons notre symbole de foi vivant à travers lequel nous scrutons le mystère de Dieu et le mystère de notre vie en disant nous croyons en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu et du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré ou pas créé, de même nature que le Père, et par lui n'a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, souffrant-il à
monta au ciel, il est allé à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il apparaît par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons sa sainteté pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection de l'homme et la vie de la vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, priez pour nous. Tlito yuto qadishto raham alayn khonu aydono khonu aydonin. Tlito yuto qadishto lukan haubayn mahtuhayn. Tlito yuto qadishto qabayn kurbonu honu min ilayu dilan hatoye almat humlilu hawda alayn min shmayu. Alo ashri wajbuk haasu uhtoye humak sakhluwato dilan utkul hun aylin qorin wa fisin lukun aymanu to dashroru. Alo abayadu khonu tobu labu hayn lahayn rabunayn. Wal khonun anidim hayn itqadim shayb asabro yakiru iddin hayu mithi tahlaibun qarab kurbonu honu. أيها رب العطوف والغدر الرحمة يا من يجيب بعهد ما يدعونه بغير ارتياب أبدلا نحن الذين يصلحون إليك بإسماع الكلمة أن نتبادل السلام بالوفاق وبقبلة مقدسة إليك فنرفع إليك الحمد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. Maintenant, Seigneur, que tu as éloigné de nous toute division, lis-nous par le lien de ton amitié et accorde-nous qui sommes inclinés devant toi tes abondantes bénédictions afin que nous soyons de vrais adorateurs qui participent à tes bienfaits éternels. Gloire et louange à toi, ton Fils unique et à ton Esprit Saint, maintenant toujours. Et pour les siècles des siècles. Amen. إنك أنت يا رب فاز المعونات ومعين الخيرات فأغننا نحن المحتاجين المساكين بغنى مواهبك الإلهية الذي لا ينضب واجعلنا شعبا كاملا مقدسا وجمعا مهتدا يشيد بتسابيحك يا الله الآب وتسابح ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. الرد الوحيد وشركة روح القدس وحلول مع جميعكم إلى الأبد. آمين. وعلى روح Now then.
نسجد لك ونسبحك يا الله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس، تسبح جلالك السني جميع القوات الروحانية والطومات المتوقدة والمقتبسة من اللهيب وأجواق الكارب الأقوياء المتوائجة وأفواج الصاروخين القديسين الرهيبة، أولئك الذين يصفقون بأجنحتهم ويسبحون ويهتفون صارخين وقائلين jusqu'à mon retour. Yeah.
بتناولنا هذه الأسرار غفران الذنوب وصفعان الخطايا ومعرفة حقيقية للإيمان وغيرة خوف الله الممدوحة والشرك في الحياة الجديدة الأبدية. المسيح مع جميعكم يا إخوتي.
Seigneur Dieu et Père du ciel et de la terre en toute vérité, toi qui nous as créés alors que nous n'étions pas, et qui nous a pris le chemin du salut par ton Fils bien-aimé, accomplis en nous ce grand bienfait qu'est la purification de nos esprits et de nos langues, et ainsi nous t'appelons, ô Dieu, Père céleste, tout-puissant et saint, et nous disons. Yeah.
Participer à la gloire de Dieu. Quand nous pensons ça et nous le vivons, nous sommes vraiment chrétiens, nous sommes vraiment saints. Diacre, c'est ça que vous allez faire. Mais avant tout, on va voir si votre autorité vous permet. Votre. Qui est. C'est toi. Pour le moment, c'est moi. Si, c'est toi. Votre disciple si présent est indigne de l'ordre de. Saint du diaconat. Bien sûr, monseigneur. Et alors, voilà. Maintenant que on a dit que tu es digne, on va voir si vous avez la foi qu'il faut avoir pour un diacre. Croyez-vous, mon fils, en la foi de l'Église catholique et acceptez-vous ses enseignements apostoliques? Oui, je crois et j'accepte. Acceptez-vous les pères et les docteurs acceptés par l'Église catholique et rejetez-vous ceux rejetés par elle? Oui, j'accepte ceux qui sont acceptés par l'Église et je rejette ce qu'elle-même rejette. Promettez-vous l'obéissance au souverain pontife, le pape de Rome, à ses successeurs, au patriarche de notre Église et à ses successeurs, et à l'archevêque de Paris et à ses successeurs? Oui. Je promets obéissance à eux tous. Maintenant qu'il a promis et qu'il a déclaré sa foi, il va faire le signe de croix en trois points, puis après il les continue, les rejoint pour faire une croix. Maintenant, et Père Elie, toi tu es un tas. Il est fort, il est fort. Ok, on a fini. Ici, j'ai déjà préparé ce qu'il doit faire. Et lui, il fait le signe de trois. Bas. Ce symbole de croix vivante vous sera témoin le jour du Seigneur. Ainsi donc vous avez été avertis. Quant à nous, nous sommes quittes de tout reproche pour les erreurs que vous commettrez à d'une place, parce que nous vous avons avertis à l'avance, selon le devoir de l'épiscopat et l'autorité apostolique. Maintenant, les quatre points vont être rejoints pour faire un signe de croix. Et questo, et ça, c'est là. C'est le signe de son diaconat.
mais on va encore continuer. Cher fils, puisque vous avez été appelé par notre humble personne à ce service divin et vous a été confié le soin de Saint-Autel, nous vous conjurons au nom de Dieu que tu as appelé, de ses anges amis de l'humanité, de cet autel saint, de conserver la vraie foi qui vous a été annoncée ensemble avec la pureté et la volonté de mener une vie irréprochable. Ainsi, vous ayez, et nous aussi à cause de vous, le recouvrement de l'innocence à la venue du Seigneur. Nous sommes donc quittes de vos erreurs le jour du Seigneur. روح قديش قرلوخ تهود ديقونو بعيتو قديشتو l'Esprit Saint vous appelle à être diacre dans son église sainte. Bien. طوبيهون العبد طوبي cousines et en particulier les paroissiens, les fidèles et les dévoués de notre paroisse Saint-Ephrem, auxquels, avec toute vérité et toute humilité, je m'incline devant la force de leur amour, de leur foi, de leur volonté, de leur collaboration, de leur croyance, de leur solidarité, de leur sagesse, de leur unité invincible. Grâce à vous, mes chers fidèles, et à votre foi, tout ce qui était impossible est devenu possible. Et sans vous, et je le dis humblement, la paroisse Saint-Ephrem n'aurait pas pu connaître la résurrection
et nous ne serions pas là aujourd'hui. Et tous ces événements saints d'allégresse et de joie n'auraient pas eu lieu. Vous êtes le signe de miracle de Dieu et vous avez toutes nos admirations et nos vénérations. Excellence, de nouveau, nous vous remercions avec nos sentiments sincères et cordiaux. Et nous mesurons l'importance spirituelle de votre présence aujourd'hui parmi vos enfants qui attendent impatiemment pour se nourrir de vos bénédictions. Amen. Salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ.
Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu. Celle-ci est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera bien armé. Il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour faire un bon travail. Barakmo.